Parce que dans les Vosges, le défaut de neige chaque hiver est récurrent, cette conférence de presse vendredi soir à Ventron était historique, à marquer d'une pierre blanche. La fermeture de la station de ski alpin de l'Ermitage Frère Joseph y a été validée. La troisième station des Vosges, quatrième du massif, ne comptabilisait plus que 5% des journées skieurs. Elle va se reconvertir dans le tourisme 4 saisons. La mairie et le gérant ont signé un protocole qui suspend la délégation de services publics, confiée depuis 14 ans à la SAS Le Duc. Mais une étude va être lancée pour trouver d'ici quelques mois un nouveau concept et maintenir une activité de ski communale. Je pense que ce sera une plus petite station avec un petit téléski. La commune, on est en train de rechercher aussi. On est en train de travailler sur le tourisme 4 saisons, bien sûr. Je suis plutôt positif pour l'avenir. Et voilà une page qui se tourne à Ventron. La saga centenaire des Le Duc liée au ski alpin, débutée avec Émile Le Bressot qui avait acheté une ferme en 1922. Ses filles, les sœurs Le Duc, ont installé le premier remont de pente dans les années 60 et le nom de la famille a brillé dans les compétitions nationales et aux Jeux Olympiques. Le club de Ventron a vu naître des graines de champion, le dernier en date, Clément Noël, jeune qui a fait ses armes sur ces pistes et a remporté en 2019 et 2020 la deuxième place de la Coupe du Monde de slalom. Mais la troisième génération des Le Duc, face au réchauffement climatique représenté par Thibault Le Duc, vient de prendre un virage inéluctable. Créer un domaine dédié au bien-être, au tourisme de qualité et durable 4 saisons, 18 millions d'euros vont être investis, une trentaine d'emplois créés pour construire un hôtel 4 étoiles de 110 chambres. Il faut que chaque station trouve son identité et qu'on soit tous complémentaires. Si on va dire qu'on veut copier quelqu'un, c'est dans la Forêt-Noire, mais ils ont des niveaux d'hôtels qui sont encore bien élevés que celui que l'on va proposer à l'Ermitage. Thibault Le Duc, comme ceux de sa famille avant lui, continue d'entreprendre. Le permis de construire sera déposé ce 23 novembre, suivi de la démolition dès la mi-décembre du bâtiment de l'Ermitage. Le département a lui aussi signé ce protocole d'accord entre toutes les parties et finance pour 1 million la voie d'accès au futur site. Le politique, en soutenant ce projet, prépare l'avenir. Si la famille Le Duc et si les acteurs publics que nous sommes avaient mis la poussière sur le tapis, eh bien dans quelques années, on allait droit dans le mur. Nous sommes un massif de moyenne montagne qui peut envisager plus facilement un développement du tourisme 4 saisons que dans les hautes stations, notamment les hautes stations de l'arc alpin par exemple. On ne skiera pas sur les 8 pistes de l'Ermitage Frère Joseph cet hiver, et ce malgré une pétition lancée récemment avec déjà plus de 2000 signatures pour sauver la station. À l'avenir, une ou deux pistes pour enfants, le ski nordique et les raquettes vont perdurer. Et la SAS Le Duc entend se positionner dans l'appel d'offres de la future délégation de services publics. Le projet 4 saisons de Thibault Le Duc, lui, devrait voir le jour en 2022, 100 ans après l'arrivée de son grand-père à Ventron. Bijoux, chocolat ou encore jouets, il ne manque que l'odeur du vin chaud lorsque l'on visite ce marché de Noël version numérique. Il y a un mois et demi, l'office de tourisme de Kaysersberg avait pressenti l'annulation du marché de Noël et avait alors cherché le moyen de permettre aux artisans de vendre tout de même. Le site noelautantclic.alsace est officiellement lancé demain, mais il est accessible dès ce soir. C'est ça aussi l'objectif de l'Office du Tourisme, c'est de monter en gamme l'offre sur le digital. Et ça aussi, s'il n'y avait pas eu ce Covid, je crois que malheureusement, on serait encore, les commerçants seraient un peu à la traîne. Et aujourd'hui, on voit que grâce à une entraide, grâce à un savoir-faire que l'Office du Tourisme a, on peut les amener sur le numérique et proposer des produits, alors j'allais dire aux Alsaciens, à la France. Et soyons fous, ce site Noël autant clique. Alsace pourra également être pour envoyer à nos amis belges, nos amis allemands qui ont l'habitude de fréquenter Noël en Alsace. Plus de 50 prestataires seront présents sur la plateforme, parmi eux des exposants habituels du marché de Noël, mais aussi des commerçants de la ville et de la vallée de Kaysersberg. On pourra retrouver notamment des bons cadeaux à valoir dans ce salon de thé. Ça permet d'avoir et de tenir, de maintenir en fait un petit flux d'activité, un petit fil rouge avec nos clients locaux, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est effectivement de limiter, j'allais dire, un petit peu la casse, parce qu'il y en aura, bien entendu. À quelques pas du salon de thé, Faline Martin se tient prête à réouvrir sa boutique.
En attendant, cette créatrice qui tient habituellement un chalet sur le marché de Noël vendra ses produits sur Internet. J'attends ça avec impatience de voir comment ça va se dérouler. Moi, j'ai jamais fait trop de ventes de click and collect, j'ai jamais fait ça, j'ai pas de site Internet. Donc c'est tout nouveau pour moi. Je pense pas que ça va nous faire notre chiffre. Un tout petit complément, j'espère. Et puis voilà, surtout nous faire connaître un peu plus pour l'année prochaine. Les festivités de Noël débutent sur la toile à Kaisersberg, mais ce vendredi, c'est dans la ville qu'elles se poursuivront avec le lancement des illuminations. Certaines boutiques n'ont pas eu le cœur de décorer leur devanture, d'autres, en plus grand nombre, jouent le jeu. Kaisersberg tente malgré tout de faire vivre l'esprit de Noël, même sans la venue des 250 000 visiteurs habituels durant cette période. Un centimètre en biseau à l'inverse du bourdon. D'accord ? On fait attention à ça. La formation à la taille de la vigne a pu reprendre ce mois-ci. Elle avait été interrompue au mois de mars en raison du confinement. Un soulagement pour les formateurs. Il faut savoir qu'on est très peu de moniteurs. Sur l'aube, on est 4. Et ça fait déjà énormément de monde par personne à gérer. Et donc, si on avait regroupé tout le monde sur la prochaine session, ça aurait été totalement ingérable. Pour cette reprise, quelques ajustements ont dû être faits. Normalement, le matin, on a la théorie. Mais du coup, avec le coronavirus, on fait que de la pratique et la théorie, on la fait chez nous. On les oblige à avoir plusieurs masques pour la journée, la gel hydroalcoolique. Et puis, comme vous pouvez le voir autour de nous, on s'est beaucoup plus étalé dans les vignes. On essaye de tailler 40 sur 2, on essaye d'avoir au moins une longueur de piquet entre chacun, ce qui a posé pas mal de problèmes d'organisation, parce qu'il a fallu trouver du coup des vignes suffisamment grandes pour nous accueillir. D'habitude, à cette époque-là, on n'a que le rattrapage, donc on n'a pas besoin de grosses surfaces, ce qui n'a pas été le cas cette année. Ouais. Donc ça a été une organisation un peu plus compliquée. L'examen a lui aussi été maintenu avec quelques aménagements. D'habitude, sur le centre de l'Aube, tout se pratique en une matinée. C'est-à-dire qu'il y a 4 épreuves, un écrit, une pratique chablis, une pratique cordon et un oral, où tout se pratique sur une matinée. Cette année, déjà, on a étalé sur la journée complète pour séparer le groupe en deux. Et l'écrit ne sera pas fait le matin pour éviter les regroupements. C'est chaque moniteur qui va le gérer en amont, comme il veut de son côté. On fait un futur paquet de végétation ici. Hein. Et en plus, ça mange, donc ça aurait été mieux de l'autre côté. Ça sert de l'avoir parce que le milieu viticole est à la recherche de salariés. La taille champenoise est une pratique extrêmement technique, avec une législation extrêmement précise, extrêmement compliquée. Et les viticulteurs cherchent du monde. Sur le reste des travaux, ils peuvent les former, mais ils estiment qu'effectivement, sur la taille, ils veulent des gens bien formés. Donc cet examen en fait est très 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 recherché dans le milieu viticole champenois. Une sorte de petite fierté personnelle, parce que un diplôme c'est toujours sympa de l'avoir. On peut avoir une rémunération plus élevée, puis on peut être embauché plus facilement dans le milieu viticole. Initialement prévu le 1er avril 2020, l'examen aura finalement lieu le 2 décembre. Les ateliers sont installés à 40 km l'un de l'autre, mais les gestes des verriers restent les mêmes, assurés, précis, rapides. Tu vois, un petit coup, et ça se détache. Donc là, je vais essayer de poser au maximum au centre de la boule. Et comme la pastille, elle est encore très chaude, c'est carrément une soudure, tu vois. Au centre d'art verrier de Meisenthal, on façonne des boules de Noël en verre soufflé depuis 1998, héritage d'une tradition centenaire sur le territoire. Sa nouvelle création, Magma, ressemble à une capsule d'exploration et en pleine épidémie qui paralyse les déplacements, il y a là le symbole d'une imagination qui ne s'arrêtera, elle, jamais de s'animer. Magma est la 25e boule de Noël créée par le CIAV, un objet qui lie tradition et modernité. Je pense qu'une tradition, pour qu'elle puisse être colportée, qu'elle puisse traverser les époques, il faut la remettre en question. La re-questionner, c'est faire appel aussi à des créateurs contemporains qui vivent notre époque et qui peuvent porter un regard nouveau sur cette tradition. Conçue cette année par 2 designers originaires de la région Grand Est, Magma décrit un voyage onirique en direction des antipodes de Meisenthal. Pour y accéder, ils ont imaginé un engin capable de traverser le centre de la Terre. Il aura fallu 6 mois de travail aux 2 créateurs de Magma pour concevoir ce vaisseau intraterrestre, sorti tout droit de leur imagination fertile et qui s'inspire des expéditions de Jules Verne. C'est une sorte de collage en fait de plusieurs éléments, d'une sorte de pas de vis qui pourrait nous permettre de creuser la Terre,
Dublot qui nous invite aussi à profiter du voyage et à découvrir à quoi ressembleraient les entrailles de la terre, et d'éléments techniques et très esthétiques comme des stries qui jouent aussi avec la lumière naturelle du verre. Comme son homologue de Mazental, à Garbourg, la cristallerie Lerer est en pleine production de sa création 2020. L'année dernière, la cristallerie a imaginé une boule en forme de kouglof qui a fait un carton. Alors cette année, elle a voulu pousser le bouchon un peu plus loin. Avec sa capsule en métal et sa forme de champignon, Bouchon de Champagne se veut le symbole manifeste de la fête. Quand on voit l'objet, il faut que ça nous donne l'idée de ce qu'il représente. Le bouchon de champagne, qui est accroché légèrement en biais, donne vraiment cette impression du bouchon qui part de la bouteille et qui annonce un moment festif juste derrière. Ici, quatre verriers travaillent chaque jour dans les ateliers pour tenir la cadence qui a fortement augmenté ces dernières semaines. Je viens maintenant mettre la couleur, donc uniquement dans le fond, pour que le bouchon soit coloré juste dans sa base et que le sommet soit transparent. Dans des fours à 1200 degrés, le cristal vient fusionner avec les grains de couleur, ce qui donnera la teinte si particulière de cette boule de Noël qui évoque les bulles, la flûte, la joie de trinquer en famille pendant les fêtes de fin d'année. Sa particularité, son couvre-chef métallique gravé et personnalisable qui en fait un objet unique. La difficulté cette année, c'était de pouvoir faire l'alliage du métal et du verre en trouvant la bonne combinaison et surtout tout en respectant le cristal qui est une matière très noble. Avec sa transparence et surtout ses couleurs qu'on peut lui donner, mais aussi le métal qui sera à la fois brillant mais robuste. Si les deux objets d'art sont bien différents dans leur réalisation, leur forme ou encore dans le choix des matières premières, une chose rapproche les deux manufactures, elles planchent déjà toutes les deux sur leur nouvelle création 2021.